T'es là? Décroche, t'en supplie. Adrien, c'est Stella. Décroche. Décroche. S'il te plaît. Salut. Ça va? Et toi? Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Ça te plaît pas? Si, je trouve ça vachement romantique. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Y'a rien, je t'assure, tout va bien. Et c'est pour me dire ça que tu me fais venir ici? Eh ben, peut-être que j'avais envie de te voir. Oui, c'est ça, tu m'appelles pas pendant des mois et maintenant t'as envie de me voir. Enfin, peut-être envie de me voir. Et pourquoi pas? Parce qu'avec toi, rien n'est jamais gratuit. Ok, t'as raison, j'aurais pas dû t'appeler. Hé, hey, attends! Tu crois tout de même pas que tu vas t'en sortir comme ça? Dis-moi, si tu déterrais une bombe, qu'est-ce que tu ferais? Hein? Eh ben, j'appellerais un des mineurs. T'as une autre devinette comme ça? Imagine que, qu'en préparant un article, tu découvres quelque chose de tellement gros que ça pourrait finir par te péter au nez. Tu le publierais? Ça dépend. Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien, c'est juste une supposition. Tu le publierais même si ta vie est en danger? Moi, je sais pas, mais toi sûrement. Pourquoi? Parce que ta vie, c'est ton boulot. Et tu t'es toujours foutu du reste. Même de moi. J'ai eu tort. C'est moi qui rêvais. Je t'appelle demain, c'est promis. On dîne ensemble et je te raconte tout. Tu me crois? Je dois être un peu conne, mais... Oui, je te crois. Adrien? Ouais. Fais attention à toi. Thank you.
Personne n'a rien vu. À cette heure-ci, c'est désert. Et lui, là-bas? Oh, lui? Dans son état, il distinguerait pas un éléphant dans un couloir. Et le chauffard s'est barré comme ça, tranquillement. Vous savez, ça rend plutôt con d'avoir un volant dans les mains. Oui, ça, c'est... Merci. Tout ce qu'il nous a laissé, c'est un peu de peinture grise sur le carter de la moto. Allô, Central, ici Portal. Je voudrais lancer un avis de recherche pour une voiture gris métallisée portant des traces de choc à l'avant. Puisque je vous répète qu'elle m'avait énervé. C'est pas une raison pour lui cogner dessus? Il a un peu bousculé, c'est tout. Des coups portés au visage, des hématomes partout sous le corps, c'est juste un malentendu, c'est ça? Attention, inspecteur, je l'aime, ma Sophie. Oui, ça se voit. Mais c'est qu'on n'est pas souvent d'accord, c'est tout. Alors vous lui flanquez des coups? Forcément, non? Forcément. Forcément. Bon, ben on va reprendre depuis le début. Bienvenue dans la vraie vie, Dumas. Merci, monsieur le commissaire. Commissaire Cordier. Bonjour, Bruno. Là, oui, j'ai le dossier sur mon bureau. Là. Oui. Oui, oui, c'est bien ça, oui. Mort sur le coup et l'automobiliste a pris la fuite. Non, mais ça, c'est classique. Bon, merci. Non, non, je te rappelle. J'arrive pas à réaliser ce qui s'est passé. Je suis désolé, Maria. Attention à ce carton, c'est fragile. Tu veux que je te raccompagne chez toi? Non. Je crois que ça ira. Bruno, je suis pas sûre que ça soit un accident. T'embrouille pas la tête avec ça. Je l'ai vu moins d'une heure avant. Il avait l'air anxieux. Il avait des ennuis? Je sais pas vraiment. Je crois qu'il avait découvert des choses qui lui faisaient peur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. On devait se parler ce soir. Et puis si c'est un accident, tu peux me dire pourquoi le chauffard s'est enfui? Ça arrive plus souvent que tu crois. Mais Adrien conduisait très bien. Il se serait jamais laissé surprendre par une bagnole. Et ça, j'en suis sûre. Bon, je crois que tu dois te reposer un peu. Je passerai te voir ce soir. Allez. Tu crois qu'on va retrouver le salaud qui a fait ça? T'inquiète pas, il ira pas loin. Je sais que tu vas dire non, mais... Est-ce que je peux t'aider? T'es là. C'est déjà énorme. Tu l'aimais beaucoup, ce garçon, n'est-ce pas? C'était plus fort que ça. Il n'était pas comme les autres. Avec lui, j'avais l'impression de vivre deux histoires d'amour à la fois. On passait du sourire aux larmes sur un mot, et le suivant venait tout balayer. En plus, il me faisait rire. Et puis, rien n'était jamais vraiment acquis avec lui. Chaque jour, fallait inventer de nouvelles règles. Alors, c'est vrai que parfois, c'était fatigant. Mais en tout cas, on s'ennuyait jamais. Tu as été heureuse avec lui, hein? Je sais pas. En tout cas, j'avais l'impression d'être en vie. Mais pourquoi tu m'as jamais parlé? Peut-être que j'étais superstitieuse, que j'avais peur de le perdre si j'exposais au grand jour. Puis je suis pas sûre que tu l'aurais aimé. Mais comment? Comment tu peux dire ça? Il aurait rien fait pour te plaire.
Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'emporte de fleurs. Si j'avais dû compter là-dessus, je serais très malheureuse. Tu es bien sage? Oui. Et cela m'inquiète. Pourquoi vous avez rompu? Je sais pas vraiment si on avait rompu. Comment ça? Rien n'était jamais aussi clair avec lui. Tout ce que je sais, c'est que j'arrivais pas à l'oublier. Et que même quand il était pas là, j'arrêtais pas de penser à lui. Et lui? Quand il m'a rappelé, j'ai bien cru qu'il voulait tout recommencer. Peut-être qu'il n'arrivait pas à te le dire. Mais ça, je le saurais jamais. Maman. Ma chérie. Surtout, dis rien à papa ni à Bruno. Pourquoi? Parce que s'ils apprenaient que j'ai été la maîtresse d'Adrien, ils seraient obligés d'abandonner l'enquête à leurs collègues. Et le dossier finirait rapidement sur la pile des affaires classées. Mais tu crois vraiment qu'on l'a tué? Il avait peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi? Ça, c'est ce que je veux découvrir. J'arrive toujours pas à réaliser qu'Adrien est mort. Moi non plus. C'est comme dans un mauvais rêve. Ça va, t'as pas trop le blues? Pour l'instant, je me bouge et puis après, j'aurai le temps de chialer. Tu l'avais revu? On s'était juste croisés, mais c'était vraiment bizarre. Tu savais qu'il était sur une grosse affaire? Une grosse affaire, non, je sais pas. Ouais, arrête, maintenant, y a plus rien à cacher, tu sais. Il enquêtait sur Grimaud, le manager de l'année. T'es sûr? C'était pas le genre de Ginetti de faire un sujet people. Bah, faut croire qu'il avait une idée planquée derrière la tête. T'as toujours les clés de chez lui? Ah non, désolé. Allez, sois sympa. C'est que... Tiens. Tu vas faire une connerie, t'es au courant? Merci, j'ai l'habitude. Ouais.
comment que je sois bouleversé, mais de là à parler de meurtre. Je t'assure, c'est pas un délire. Oh, tu as pas de preuves? Si, justement. Je suis allée chez Ginetti. T'as fait quoi? Son appartement a été cambriolé, tout a été retourné de fond en comble. Mais pourquoi? Parce qu'il avait découvert des preuves et que quelqu'un voulait les récupérer avant qu'on les publie. Mais tu sais sur quoi il enquêtait? Sur le Grumeau. Rien que ça? Oh, bah, désolé. Hein. Bon, je vais m'en occuper, mais... Toi, tu me jures que tu restes en dehors de tout ça, hein? Pourquoi? Parce que je vais avoir assez d'emmerdes comme ça. Comme tu voudras. Mais toi, t'écoutes ça et tu me dis ce que t'en penses, d'accord? Mais je vais voir. Non, tu me promets? Je te promets. Mais pas de... Commissaire, je peux vous parler? Oui, venez dans mon bureau. Entrez, asseyez-vous. Merci, je passe mes journées assis. Et alors? Alors, depuis une semaine que je suis chez vous, je me suis occupé d'un vol de chien, d'une bagarre entre SDF, d'un exhibitionniste et d'une demi-douzaine de tapages nocturnes, voilà. Mais qu'est-ce que vous imaginiez, Dumas? Que vous étiez engagé dans les parachutistes? Commissaire Cordier, si j'ai voulu être affecté dans votre service, c'est parce que vous m'aviez promis qu'on allait travailler sur le terrain. Mais vous y êtes en plein sur le terrain. Vous avez les deux pieds dedans. Ah, bien sûr, dans la rue, on ne brandit pas son flingue, comme dans une salle d'entraînement, mais on y observe le monde autour de soi, et croyez-moi, ça vaut tous les manuels de criminologie. Ah oui. Ah ouais. Reniflez autour de vous, Dumas. Hein. Je suis sûr que ça va vous plaire. Eh bien, justement, faites-moi sortir un peu d'ici, parce que là, j'en peux plus, là. Ah. Là, ça tombe bien, monsieur. J'ai quelque chose pour vous. Hier, un certain Ginetti s'est fait renverser par une voiture. Il est mort. Je veux tout savoir sur ce type et la manière dont ça s'est passé. Vous soupçonnez quelque chose? Non, je ne soupçonne rien. Je me fie à votre intuition. Merci, commissaire. De rien. Adrien, c'est Stella. Je t'en prie, réponds-moi. Réponds-moi. Là-dedans. Bon boulot. Vraiment, très bon boulot. Et la disquette? J'ai fouillé partout, c'était pas chez elle. Alors retrouvez-la. Et vite. Allez. Tu vas enfin décider à me dire pourquoi tu m'as appelé? Bien, viens avec moi, ça va. Tu vas être surpris. Je vous présente Monsieur Léon Morel. Ah bah vous en avez mis du temps. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Monsieur était le témoin de l'accident de Ginetti. Il se trouvait à l'angle de la rue. Ouais, j'ai tout vu. Le gars, il roulait sur sa moto, la voiture est arrivée, paf, il l'a pris de plein fouet. Attendez, vous voulez dire que ce n'était pas un accident? Ben, sûr que non. Il voulait le flanquer en l'air.
Pourquoi ce témoignage ne figure pas dans le rapport de police? Mais parce que ces abrutis voulaient pas m'écouter. Ils ont même pas relevé son nom, tu te rends compte? J'aime pas les flics. Non mais je vous rassure, moi non plus. Dites-moi, vous étiez pas un peu bourré par hasard hier soir? Ah non, je touche plus à ça, ça me fout la migraine. On aura tout vu. Bon, tu serais capable de reconnaître le conducteur? Ah bah, je veux y essayer, oui. Bon, bah, on va faire un portrait robot. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et toi? Bah, Ginetti enquêtait sur Grimaud. Et il est mort. Alors maintenant, quel lien y a-t-il, s'il y en a un? Bon, bah, je vais demander au parquet d'ouvrir une information pour homicide. Ouais, j'aime bien quand tu pars au quart de tour, comme ça. Et je vais convoquer Grimaud. Oui, non, bah, attends, alors. Là, pour le moment, tu n'as rien contre lui. Raison de plus. Dis-moi, il y avait quelque chose entre Myriam et Ginetti? Rien, je crois. C'est pas moi qu'elle va parler de ses histoires de cœur. En tout cas, je lui ai dit de se tenir à carreau. Et ça suffira? Non. C'est bien ce que je pensais. Monsieur Grimaud, vos confrères de la presse économique viennent de vous élire manager de l'année. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes finalement un homme heureux? Écoutez, je vous mentirais si je disais le contraire. Alors, je suis surtout heureux pour les 900 collaborateurs de mon groupe. C'est à eux que je dois ce succès. Alors, en 3 ans, vous avez acheté pas mal de titres de la presse, dont 2 qui connaissaient de graves difficultés financières. Où en sont ces titres aujourd'hui? Bon, je crois que nous avons redressé la barre. Les lecteurs sont de retour, les annonceurs avec, et j'espère bien que dans 2 ans, nous commencerons à engranger des bénéfices. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Voyez-vous, le problème essentiel pour un groupe de presse comme le nôtre, c'est la diversification. Donc, si nous voulons résister à cette déferlante que sont les réseaux informatiques, il est impératif que nous consolidions notre position dans le multimédia. Et ce sera le sens de ma démarche. Mmh. On vous prête aussi des ambitions plus politiques. Ah non, non, vraiment, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Non. Et la Coupe de l'America's Cup, ça vous tenterait, en revanche? Oui, mais c'est un peu trop tôt pour en parler. Mmh. Alors finalement, quelqu'un qui, comme vous, a tout réussi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut encore entreprendre? Vous savez, la réussite, c'est quelque chose d'assez fragile. Hein. On vous porte au pinacle et le lendemain, on vous tire dessus. Il y a de nombreux exemples. Non, ce que je souhaiterais simplement, c'est ne pas perdre de vue certaines valeurs auxquelles je tiens. Et puis pour le reste, qui verra, verra. Voilà, monsieur. Merci. Je ne me ferai jamais cette tartine de fond de teint. Pourtant, le président adore ça. Vous avez été très bien. Je vous remercie, Annie. Annie, quelque chose qui ne va pas? Ça vient d'arriver. C'est une convocation du juge Cordier. Je dois annuler vos rendez-vous. Monsieur. Oui, je vous remercie. D'arriver. Faites-le patienter un moment. Laissons-lui le temps d'apprécier la situation. Le dossier Ginetti, Amélie, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes déjà allée au Vatican, Amélie? Je ne crois pas. L'escalier qui mène au bureau du Saint-Père a été construit avec des marches dissymétriques. L'architecte s'est trompé? Non, au contraire, non. Il voulait casser l'allure des visiteurs. Qu'ils arrivent devant le pape, le souffle court et la jambe traînante. Je suis désolée de vous le dire, mais ici, on est au palais de justice, monsieur le juge. Alors, faites entrer, monsieur Grimaud. Monsieur. Monsieur le juge. Asseyez-vous. Excusez-moi, je suis un peu surpris, je n'ai pas l'habitude de ce genre de convocation. On s'habitue très bien. Vous verrez. J'espère que je n'aurai pas ce plaisir. En quoi puis-je vous être utile, monsieur? Connaissez-vous un certain Adrien Ginetti? Non, je ne crois pas, non. C'est un journaliste. Pareil pour moi? Non, mais votre nom figure dans son agenda. Vous vous êtes vu 2 fois, le 7 octobre et le 4 décembre. C'est possible, je vois beaucoup de monde. Je ne me souviens pas. Je pourrais demander à mon assistante. C'est ce que j'ai fait.
Adrien Ginetti vous a interviewé à deux reprises. Il préparait un sujet sur vous. Ah oui, peut-être, oui. Excusez-moi, je vois pas pourquoi vous me posez toutes ces questions. Parce qu'Adrien Ginetti est mort. Bien sûr, vous allez me dire que tout ça ne vous regarde pas. Seulement voilà. Nous avons des raisons de penser que Ginetti possédait un dossier sur vous. Un dossier qui aurait disparu lors du cambriolage de son appartement. Tout cela est rocambolesque. Oui, oui, je sais. Je me demande ce qu'Adrien Ginetti aurait pu découvrir sur vous. Je n'ai rien à cacher. Ma vie et mes affaires sont parfaitement transparentes. Bravo. Bel exemple de vertu. Ce n'est pas de la vertu, c'est de l'économie. Je ne tiens pas à engraisser un régiment d'avocats. Donc Ginetti ne pouvait pas représenter une menace. Monsieur Cordy, quand on est dans ma position, on ne doit pas se soucier des rancœurs et des jalousies. Surtout quand on devient manager de l'année. Nous nous reverrons bientôt. En tout cas, soyez gentil de me prévenir à l'avance. Je ne tiens pas à bouleverser mes emplois du temps. Un homme comme vous doit forcément aimer l'imprévu. Monsieur le juge. Je vous reçois tout de suite. Stella, tu vas pas rester comme ça toute la journée? Faut que tu te bouges. Pourquoi faire? Tu l'aimais, ce type? Fous-moi la paix. Comme tu voudras. Oh, excuse-moi, Julie. Mais de penser que ces types sont peut-être en bas en train de me guetter, ça me rend dingue, tu comprends? Mais ils vont finir par t'oublier. Je voudrais te croire, tu sais. Je voudrais vraiment. Je suis pas sûr qu'on soit sur le bon chemin. Et le témoignage de Morel, t'en fais quoi? Bah, et après, si c'est pas un accident et c'est pas encore prouvé, d'autres personnes pouvaient avoir intérêt à liquider Ginetti. Pourquoi? Bah, parce qu'un journaliste qui a l'habitude de fourrer son nez partout, au fil du temps, il se fait beaucoup d'ennemis. Et le dossier qui a disparu? On n'a aucune preuve qu'il avait un dossier sur Grimaud. Ouais. Bah, vous maniez, il fait froid. Oh hey. Tu m'as enquêté sur Ginetti. C'était quand même un drôle de client. Il était fiché au stup comme consommateur de cocaïne. Et après, tout le monde se poudre le nez, non, dans ce métier? Pas toi, j'espère, hein? Non, moi, ça me fait éternuer. Allez, dépêchez-vous, le repas est prêt, mettez la table. Hein? Ah, t'avoues quand même que ton copain avait des fréquentations bizarres. Il passait sa nuit dans les bars, et la plupart du temps, entouré de truands notoires. Parce que le commissaire Cordier, lui, il n'enquête que dans les salons. Ah, mais là, attends, ce qu'on essaie de te dire, c'est qu'il a très bien pu être victime d'un règlement de compte dans le milieu. Oui, attendez, là. Pour vous, Ginetti, c'est l'accusé ou la victime? Comment tu peux poser une question pareille? T'as peur de Grimaud, c'est ça? Peur? Non. Mais j'ai rien contre lui, alors je suis prudent. Faudrait surtout pas que t'aies ton ministre sur le dos. Et pourquoi pas? Tu crois que ça ferait avancer l'enquête? Fais-nous un peu confiance, tu veux? Oui, bah moi, ce que je crois, c'est que je vais me débrouiller toute seule. Elle ne change pas, hein? Ouais, le jour où elle nous écoutera, celle-là. Oh, ne lui en demande pas trop, hein? Je me demande de qui tient ce fichu caractère. Tort partagé, Cordier. Tort partagé. Myriam, t'apporte le vin, tu veux? Je ne dis pas ça pour vous flatter, mais ces lauriers, j'aimerais bien les partager avec vous. D'abord, parce que ce sera un peu moins lourd sur ma tête. Ah, attention, attention, il ne s'agit pas de s'endormir. Hein. Si nos journaux se vendent bien, c'est que nos lecteurs nous font confiance. Et cette confiance, nous devons la mériter à chaque numéro. Alors je vous conseille, je vous propose de vous battre pour que chaque semaine, nous leur donnions le meilleur de l'information. Voilà, ce sera tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je viens pour vous féliciter. Je ne vous attendais pas ici. Nous avons à parler. Suivez-moi. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes complètement cinglé. Ginetti commence à renifler trop près de vous. Vous n'étiez pas obligé de le tuer. Je fais ce que j'ai à faire. À cause de vous, j'ai un juge sur les basques. Il n'a rien contre vous. Il trouvera si c'est où chercher. Nous allons récupérer la disquette. Et si vous ne l'avez pas? Pas encore. J'en ai marre de vous, frétant, de vous et de vos méthodes. J'étais sûr que vous diriez ça. Seulement voilà, sans nous, vous ne seriez plus rien. Détendez-vous, mon vieux. Détendez-vous. Laissez-nous finir notre boulot, ok?
Vous savez, monsieur Grimaud, je vous aime bien. Arrangez-vous pour que ça dure. D'accord, mais je ne veux plus d'effusion de sang. Parce que vous croyez encore qu'on peut gagner de l'argent sans se salir les mains. Mais réveillez-vous, mon vieux. Le rêve est terminé. Coucher. Pas toi? Si tu as plus de bouffe. En plus, il n'y a personne. Arrête de râler, la journée fait de commencer. Non, désolé, mademoiselle, mais c'est interdit aux jeunes femmes seules. Ne me touchez pas. Non, mais c'est un club privé, alors dehors, je vous prie. Attendez, je suis une amie d'Adrien Ginetti. Et après? Je recherche une jeune fille qui se fait appeler Stella. Non, je ne connais pas. Vous prenez ça, il paraît que ça rafraîchit la mémoire. Ouais, ça suffit de ça. Maman, vous vous barrez ou sinon j'appelle les flics. Hein. Bah allez-y, vous serez pas déçus. Comment il faut vous le dire? Je la connais pas, votre Stella, d'accord? Merde, pour qu'elle se prend, celle-là. Bon, Fred, je vais prendre l'air 5 minutes. Mademoiselle! Mademoiselle! Qu'est-ce que vous lui voulez à Stella? Faut que je la rencontre. Non, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle peut pas sortir, un point, c'est tout. Quelqu'un veut sa peau, c'est ça? Je sais pas. Attendez, le même qui a assassiné Ginetti? Écoutez, Stella a des ennuis et moi, je peux l'aider. Personne peut l'aider. Vous pouvez lui donner ça de ma part? Elle peut m'appeler quand elle veut, à n'importe quel moment. Salut mon grand! Il paraît que tu veux nous voir? Vous êtes dingue ou quoi? Vous allez me faire repérer! Attends, je peux mettre le gyrophare si tu veux! Vous êtes vraiment tordus chez les keufs! Et si tu veux, on s'ennuie, alors on devient con, hein, forcément! Allez, monte! Attends! C'est toi qui as demandé à me voir! Alors tu dégoises! Ah, mais c'était pas prévu qu'il y aura un juge! Non, mais je passais par là. Tu parles d'un hasard? Je veux pas d'emmerde, hein, moi. Moi, je te garantis que si tu continues comme ça, tu vas en avoir. Attendez, commissaire. Si ce monsieur ne veut pas vous parler, c'est son droit. Bravo! Seulement, nous avons un problème. Si ce monsieur continue à nous cacher des informations relatives à un homicide, nous allons être obligés de le mettre en examen pour recel de malfaiteur. Ça, crois-moi, ça c'est ennuyeux, ça. Très ennuyeux, ça, oui. Vous seriez pas en train de m'entuber par hasard? Oh non, ça c'est pas notre genre, ça. Bah alors! Tu causes ou je te fais boucler, là? Je vous cause! Je vous cause! Ah! Voilà ce que j'appelle un bon citoyen. Il y avait un contrat sur Ginetti. Pourquoi? Il voulait récupérer des documents que Ginetti leur avait piqués. Des documents sur Grimaud? C'est possible. C'est Grimaud qui a engagé le tueur? Non. Alors qui? Des gens qui aiment la discrétion. Bon, d'accord. Alors maintenant, monsieur va s'en aller bien gentiment. Et s'il a des informations, je suis sûr qu'il viendra nous voir. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le juge? Ben, on va aller rendre visite à notre ami Grimaud. Dis donc. Non, la prochaine fois, c'est moi qui fais le gentil. Hein. Ah, mais t'es moins bon que moi dans ce registre. Oh, ouais. Non, je t'assure, t'arrives pas à tenir le personnage. Ah oui, mais c'est monotone. Oui, chassé naturel, il revient au galop. Monsieur
Désolé, mademoiselle, c'est une perquisition. J'appelle la sécurité. La sécurité, c'est moi. Et lui? C'est la justice. Bon! Mesdames et messieurs, je crois que ça va être l'heure de la pause café. Allez, tout le monde dehors. Allez. Tout le monde dehors. Bon, allez, on se presse un peu, là, du nerf. Madame? Je crois bien que je m'y ferai, sans problème. Toi? Au bout de 5 minutes, t'aurais des démangeaisons. Ah! Ouf! Et non, monsieur garde la forme. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais nous travaillons, monsieur. Et vous? Je ne vois pas. Excusez-moi, j'ai oublié de vous présenter le commissaire Cordier. Pas rester là, hein? Bon, ben, on a fini avec la comptabilité. Vous pouvez sceller le carton, passer au fichier informatique. Et n'oubliez pas le coffre-fort. Merci, on fera ça tout à l'heure. Monsieur le juge, j'apprécie le mal que vous vous donnez à foutre le bordel dans mon bureau, mais vous ne trouvez pas que tout cela est inutile? Ça, monsieur Grimaud, laissez-moi le soin d'en juger. Je peux savoir ce que vous cherchez? Je ne sais pas encore. Peut-être que vous pourriez me le dire? Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre dossier est vide. Et que vous ne trouverez rien dans ce bureau pour le remplir. Mais je sais. Votre vie est transparente, ça. Qu'est-ce que ça vous a fait, la mort de Giletti? Pardon? Ah oui, ça doit vous révolter. Qu'un journaliste meure parce qu'il cherchait la vérité. À moins que vous ne soyez au-dessus de tout ça. C'est vrai, après tout, qu'est-ce que c'est pour vous la vie d'un homme, hein? C'est une brève, dans la page des faits divers. Combien de lignes pour Giletti? Une ou deux? Ok. Pour un accident, ça suffit, mais pour un meurtre. Ce n'est pas moi qui rédige les nécrologies. Non, oh, ben non, bien sûr. Vous, vous êtes à l'abri derrière vos baies vitrées. Ici, il n'y a jamais de sang sur les tapis. Rien que des mots sur le papier. Mais les cadavres, c'est bon pour les flics. Hein? Ils les ramassent, ils leur collent une étiquette, ils les mettent dans un tiroir, loin des yeux. Et c'est dommage, parce que, croyez-moi, ce qu'on a fait à Giletti, c'était pas joli à voir. Nous en reparlerons dans votre bureau, monsieur. Quand vous voudrez, monsieur. T'as pas pu te retenir. Mais je sais pas pourquoi, je supporte pas ce type. Mais c'est un peu léger comme indice. Oui, crois-moi, ça c'est un début. Écoute, Stella. Il faut que tu comprennes. Je peux plus te garder ici. Tu comprends? C'est fini. Laisse-moi encore quelques jours, après je m'en irai. Mais t'as pas compris qu'ils vont te retrouver? J'ai pas envie de crever, ma belle. Pas si tôt. T'inquiète pas, va. Je vais partir. Pourquoi tu vas pas tout balancer aux flics? Tu sais très bien pourquoi. Alors rends-leur ce que t'as pris. Ça, je peux pas. Adrien me faisait confiance. Mais maintenant, il est mort. Ce que je ferai à ta place, j'irai voir la fille. Je la connais pas. C'était une amie d'Adrien. Je sais, oui. Tu vas aller où? Je sais pas. Tu m'en veux? T'as fait ce que t'as pu? Voilà, monsieur le juge. Le café dans le thermos, les biscuits dans l'armoire de gauche, les vitamines dans le fichier bleu index 83. Et si vous êtes enfoui sous les dossiers, appelez le SAMU, ils arrivent tout de suite. Ah, ne vous inquiétez pas, je ne vous lâcherai pas comme ça. Enfin, une bonne nouvelle. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir, Amélie. Je suis venu féliciter le manager de l'année. Venant de vous, le compliment me fait plaisir. J'aurais voulu venir avant, mais nous avons beaucoup à faire. Dites-moi, comment s'annonce votre élection?
Vous devez le savoir mieux que moi. Après tout, c'est vous qui publiez les sondages, non? Alors, je suis sûr que tout ira bien. Alors, je n'ai plus de soucis à me faire. M'en sers une seconde. Je vais avoir besoin de vous. Un petit juge me poursuit en espérant avoir son nom dans les journaux. Mais il n'y a rien contre vous, n'est-ce pas? Non. Ni contre vous, d'ailleurs. À moins qu'il ne mette son nez dans vos comptes de campagne. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voulez, Grimaud? Je veux que vous me débarrassiez du juge Cordier. Vous enterrez cette affaire et la rumeur qui va avec. Ce que vous me demandez est très délicat. Il me semble vous avoir rendu des services autrement plus délicats. Enfin, vous l'ayez oublié. Bien sûr que non. Je suppose que vous pouvez compter sur moi. Je compte sur vous. Stella, reste pas là, viens. Faut que tu m'aides, Angelo. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des emmerdes avec... Chut, ne me dis pas. C'est pas la peine. Assieds-toi. J'ai besoin d'une planque, tu comprends? T'es chez toi, ici. J'ai vraiment peur, tu sais. Allez, arrête. Ça va bien se passer, maintenant. Hein? Allô, oui? Julie? D'appeler ici. Je peux voir la journaliste. Appelle-la. Mais... Des ennuis? Non, non, c'est ma mère.
Ah, monsieur le procureur. Excusez-moi, j'ai travaillé toute la nuit, je me suis un peu assoupi. Bonjour, Bruno. Vous êtes bien matinal. Je suis ennuyé. Je m'en serais douté. Pourquoi ? Oh, parce que vous venez jamais me voir quand tout va bien. Monsieur Grimaud a des relations très haut placées. Non, vraiment ? Et cette perquisition a fait beaucoup de bruit. Les nouvelles vont vite. J'ai reçu un appel du ministère. On me demande de classer le dossier Ginetti. Mais vous n'êtes pas du genre à céder aux pressions de votre hiérarchie. Bien sûr, mais pour l'instant, je dois avouer que le dossier paraît bien mince. Pourtant, Ginetti a bel et bien été assassiné, hein ? Qu'est-ce qui nous le prouve ? Le témoignage d'un ivrogne ? Non, merci. Le rapport d'expertise... Oui, il est extrêmement vague. Il nous faut du concret, sinon je ne pourrai pas résister bien longtemps. Rassurez-moi, monsieur le procureur. Oui. La justice est bien indépendante. Non, je vous en prie, Bruno. Pas de cours de droit. Vous me mettez un chapeau ici. Quand la justice s'égare ou les avatars d'un juge ont mal de renommée. Ici, montrez-moi ce que ça donne. Il y a quelqu'un pour toi à l'accueil. Pour moi ? Ouais. Elle veut parler à personne d'autre. Pardon, Pauline. Merci, Pauline. Bonjour. Je peux vous aider ? Bonjour, monsieur le commissaire. L'inspecteur, inspecteur Dumas. Voilà, je m'appelle Sophie Barré. Ah. Venez à mon bureau. Vous êtes l'épouse de François Barret. Il a recommencé. Alors, Dumas, on joue les flics de choc. Oh, t'as une mine radieuse, toi. Désolé, c'est la seule qui me reste en magasin. Tu as vu ? La machine Grimaud est en marche. Il y a mieux que ça. Le parquet menace de clore le dossier. Les amis de monsieur ? M'emmerde. Bon, toi, t'as besoin de te rafraîchir un peu, hein ? Allez. Ah, j'ai passé toute la nuit dans ces foutus dossiers. Charmante compagnie, alors ? Alors, rien. Je commence à me dire qu'on est allé beaucoup trop vite. Et pourquoi ? Bah, pour Myriam. D'accord. N'empêche que la situation commence à devenir intenable. Si l'affaire est classée, je pourrais plus rien faire. Alors, il n'est pas intouchable, Grimaud. Il a forcément commis une erreur. On le coincera pas sur l'affaire Ginetti, il faut aller chercher ailleurs. Je voudrais que tu me passes au crible la comptabilité de Grimaud. Ça, c'est du boulot pour la brigade financière. Ah, je suis désolé, j'ai pas le temps de rédiger le formulaire. Bon, bah, très bien, bah, passe-moi le dossier. Il est posé sur ton bureau. Genre, t'as pas l'impression de me forcer un peu la main, hein ? T'adore ça. Bah, il est rentré très très tard et il était complètement imbibé. Alors moi, j'en avais marre de l'attendre et on s'est engueulé, quoi. Il vous a frappé ? C'est-à-dire, quand il sait plus quoi dire, mon François, il cogne. Apparemment, il a pas beaucoup de conversation, votre François. Bon ben, vous allez signer cette déposition. Déposition ? Attendez, la commissaire. Qu'est-ce que c'est-à-dire une déposition ? Inspecteur, c'était une déposition qu'il faut signer. Votre mari va être poursuivi pour coups et blessures volontaires. En attendant que le divorce soit prononcé, une assistante sociale vous trouvera une place dans un foyer d'accueil. Voilà, vous signez là. Non, mais attendez, moi, je veux pas divorcer. Comment ? Je veux pas me séparer de mon François, moi. Qu'est-ce que vous voulez, au juste ? Ce que je voudrais, c'est que vous alliez le trouver et puis vous lui flanquez une bonne dérouillée. Vous voyez ? Et puis vous lui dites de plus faire ça. Ou alors vous prenez votre flingue et puis vous le braquez. Alors ça, ça va lui foutre la trouille de sa vie, vous voyez ? Mais je comprends, ouais. Votre mari vous dérouille et vous, vous aimez ça, quoi, hein ? Oui, non, non. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je l'ai dans la peau. Enfin, pour ainsi dire, je peux pas vivre sans lui. Vous voulez que je vous donne un petit conseil ? Ah oui, inspecteur. Oui. Prenez des cours de karaté et foutez-moi la paix. Tenez, Dumas, ça vous changera les idées. Merci, commissaire. Ah, monsieur le commissaire. Bon.
voyez, ce monsieur refuse d'assister une personne en danger. Bah, madame, vous n'avez qu'à porter plainte, hein. Ah, bah ça, c'est une bonne idée, ça. Dumas, inspecteur Dumas, je m'appelle. Matricule 24C291. Dumas, ça s'écrit comme Dumas, père et fils. Attendez, là, vous oubliez le formulaire de plainte. Merci pour tout, commissaire. Mais avec plaisir, mon grand. Myriam Cordier ? C'est Julie. Stella veut vous voir. Seule. Où ? Au parking Saint-Augustin. Dans une heure. J'y serai. Merci. C'est bien, la belle. C'est bien. Travaille bien, toi, hein ? N'approchez pas. Vous pouvez le ranger, je suis venue seule. Qu'est-ce que vous cherchez ? Adrien m'a laissé un travail à finir. Il est mort. Et si vous ne me dites pas ce que vous savez, ça n'aura servi à rien. Pourquoi est-ce qu'ils sont après vous ? Ils veulent récupérer la disquette. Des informations sur Grimaud ? De quoi le faire tomber, ce salaud ? Donnez-la moi. Et après ? Ils n'auront plus rien contre vous ? Attendez ! Mais pourquoi tu y allais seule? Ah, mais sinon elle serait jamais venue. Mais tu aurais pu te faire tuer, toi. Ah, mais je suis vivante maintenant. Ça... Oh, bah, où ça, tu vas? Ça, bah, suffit, une chance. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah, faire. Essayer de retrouver cette fille avant qu'elle se fasse descendre pour le bon. Mais Myriam. Mais écoute, laisse-la se reposer un peu. Hein. Viens au lit. D'accord, d'accord. Tu sais combien je t'aime, hein, mais n'en profite pas. Alors maintenant, les histoires de vengeance solitaire, ça, c'est terminé. Hein. Désolé, monsieur, c'est fermé. Tant mieux. J'aime pas quand c'est bruyant. Eh, mais qu'est-ce que vous faites, là? Ça se voit pas? On sert un verre. Non, mais quoi, je rêve, là? On cherche une certaine Julie. Tu connais? Elle travaille plus là, Julie. Dommage. C'est pas où on peut la trouver? Ah, c'est con, hein? J'ai oublié. Allez, fais un effort. Puisque je vous dis que j'en sais rien. Non. Je te donne 3 secondes. 1, 2... Rue Max-Lander, 14. Eh ben, tu vois, quand tu cherches bien. Comment vous trouvez le bourbon? Dégueulasse. Ouais, on change de crèmerie. Ah, j'allais oublier ça. Ah, merci pour l'apéro. Non, je sais pas où elle se planque. Sinon, ces salauds me l'auraient fait cracher. Ça, pour ça, ils ont de l'imagination. Bon. Qu'est-ce qu'il y a sur cette disquette? Je sais pas bien. Je crois que c'est des livres de comptes. La compte à parallèle de Grimaud. Comment est-ce qu'elle se l'est procurée? Elle travaillait à domicile. Des hommes d'affaires, des types bourrés de pognon. Elle a dû en embrouiller un. Elle faisait tout ça pour Ginetti. Mais elle était dingue de ce mec. Et lui? Je sais pas. Mais il avait pas l'air d'un salaud. Attends, dans ce boulot, vaut mieux pas tomber amoureuse. Pourquoi elle n'est pas venue nous voir après la mort de Ginetti? Stella, elle veut rien avoir à faire avec les flics. Elle est recherchée? On change les cheveux. Le front plus dégagé aussi. Comme ça? Ouais, à peu près. C'est elle? À peu près. En tout cas, ça lui ressemble. On lance un avis de recherche? Priorité absolue. Et tu fixes le portrait à l'identité judiciaire, il y a sûrement un dossier. J'y vais. Je sais pas comment vous dire ça, mais...
Bah, merci. De quoi? Bah, j'avais l'impression au début que cette histoire vous intéressait pas vraiment. Alors, tu t'es dit que tu pourrais arranger le coup toute seule? Oui. C'était pas très malin. Oui, ça, c'est ce que j'appellerais une litote. Dis-moi, Myriam, qu'est-ce qu'il y avait au juste entre toi et Ginetti? J'avais beaucoup d'admiration pour ce type. Parce qu'il allait toujours au bout de ce qu'il entreprenait. Pas cette fois-ci. J'aurais dû lui dire d'arrêter. Attends, tu savais même pas sur quoi il enquêtait? Non, mais je sentais qu'il avait peur. Et ça, c'était pas dans ses habitudes. Ouais. Monsieur le juge, je crois qu'on a trouvé quelque chose. Bon, allons-y. Allez, tiens, tiens. Grimo a tellement investi il y a quelques mois qu'il a failli boire la tasse. Les banques allaient le lâcher quand une société d'investissement luxembourgeoise, la SLPI, a mis 2 milliards sur le tapis. Ça fait cher le ticket d'entrée. Qui contrôle la SLPI? La SLPI, en fait, c'est une boîte à lettres dans un immeuble à Luxembourg. Derrière, il y a une cascade de sociétés qui font un véritable atlas des paradis fiscaux. Il faudrait des mois pour remonter cette filière. Non, il y a un moyen plus rapide. Parmi les investissements de Grimo, il y en a un qui ressemble à un cadeau. Pendant des mois, il a payé le journal électoral d'un certain Michel Vauban. Et quand Vauban a été élu, il s'est empressé de lui confier l'exploitation du réseau câblé de sa ville. Tu dis, mais c'est un nom, ça. Oui, corruption. Bon, je vais convoquer Vauban. D'ici là, vous me rassemblez tout ce que vous avez sur cette affaire. C'est déjà fait. Bon, bah, je fonce au palais de justice. Oh, Dumas, on vous a déjà dit que vous étiez un bon flic? Oui, je pense que votre père a dû me le dire, oui. C'est très bon, hein? Je ne pouvais plus. Au revoir, chère madame, à bientôt. On m'accompagne, monsieur le maire? Non, c'est pas la peine, je irai un peu plus loin. Merci, à bientôt. Au revoir, merci. Enfin, on va encore un pied dans la poche. Oui. Et allons-y. Bon, vas-y, je te rejoins plus tard. Pas l'air content de me voir. On est dans la merde, prêtons. Le petit juge s'accroche. Vous êtes dans la merde, monsieur Grimo. Je croyais que vous aviez des relations. Non, laissez mes amis là où ils sont. Hein. Non, mais vos amis sont des bidons. Ils sont incapables de vous aider. Et le jour où le petit juge attaquera, vous lâcherons. Vous vous trompez. Mais vous ne valez rien, votre empire, c'est du vent. Non. Vous restez un seul ami. C'est moi. Ah. Et mon ami, qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, il va vous débarrasser du petit juge. Attendez, il y a des limites à ne pas franchir, patron. Vous êtes une bande de malades. Si t'avais été un petit peu moins con, jamais la fille n'aurait pu dérober la disquette. Mais bientôt, tout ça n'aura plus d'importance. Vous pouvez pas faire ça. Nous sommes associés, monsieur Grimo. Ne vous inquiétez pas. Hein? Dorénavant, je m'occupe de votre carrière. Martine Flandrin. Prostitution, stupéfiant, la routine. Sauf qu'elle est fichée à la PJ pour complicité d'homicide. Ouais. Complicité d'homicide. Ouais. À l'époque, elle était maquée avec un petit truand. Il avait monté une combine. Stella lui servait de chèvre, et quand le gogo était à poil, enfin mûr, son mec rappliquait pour le dévaliser. Seulement la dernière fois, ça s'est mal terminé. Le gogo est resté allongé avec 2 balles dans le buffet. Bon, remporte-la avec toi. Fais le tour des indices. Je veux cette fille et je la veux vivante. J'y vais. Ce que vous affirmez est très grave. Je n'affirme rien, tout est dans le dossier. Qu'est-ce que vous voulez, Bruno? Je veux un réquisitoire supplétif m'autorisant à enquêter sur les activités corruptrices de Grimo. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous allez me mettre? Je vous assure que je compatis. Je vais voir ce que je peux faire. Vous allez convoquer Vauban? Je ne vois pas comment je peux l'éviter. Faites attention, Bruno. À partir de maintenant, tous les regards seront braqués sur vous. Écoutez, monsieur le procureur, je me fous de mon image de marque. Oui, mais d'autres s'en préoccupent, croyez-moi. Ouais. Thank you.
Spring Lady, c'est ça? Oh, Springtime. Oh, t'es plus mon fils. Très bien, ça me fera des vacances. Ta veste est déchirée. Non, c'est rien, c'est un petit accrochage. Non, voilà, tu devrais être plus prudent. Je peux pas rouler à plus de 30. Je ne parle pas de ça. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Silicone carnet. Ah. Dis-donc, à ton avis, pourquoi on a descendu Ginetti? Je crois qu'il avait découvert qu'il finançait Grimaud. Oh, c'est un joli parti, ton Grimaud. Ouais. Des journaux influents, des amis politiques et surtout un joli paquet de dettes capable d'attirer des capitaux en mal de réputation. Si la mafia est sur le coup, ça veut dire que Ginetti s'est attaqué à un gibier trop gros pour lui. Ah non. Et pas nous. Je sais pas. Mais j'en ai marre de Grimaud. Je vais lui clouer le bec. Mais tu crois que tu vas pouvoir le coincer sur cette histoire de corruption? Après tout, Al Capone s'est fait coincer pour une histoire de fraude fiscale, non? Bon, non, non, ça, moi, je ne suis pas Elliot Ness. Ben, Grimaud n'est pas Lucky Luciano. Alors, aux incorruptibles. Ben quoi, je te plais pas? Allez, dégage. Mademoiselle? Mademoiselle? Venez ici, là, il faut qu'on vous parle. Oh, lâche-moi. On a quelque chose à vous demander. Je te préviens, j'ai pas beaucoup de temps. Salut, ma poule. Ouais. Tu peux me renseigner? Pourquoi? Moi, il y en a plein d'autres, des putes. On a craqué sur tes bottes. On est drôle chez les flics. Ouais, bah je la connais pas. Bah c'est bizarre, tu vois, parce que personne la connaît. Bah faut croire qu'elle est du genre discret. Ouais, ou alors que toi tu te fous de notre gueule. C'est possible, oui. Eh ben voilà, comme ça on est fixé. Tu vois, franchement, ça te dirait de finir la nuit au poste? Ça dépend si c'est avec toi, chérie. On sait que tu la connais, alors fais un effort et puis nous on t'oublie. On te laisse tapiner tranquille pendant 3 mois. Je suis pas une balance. Écoute-moi, cette fille elle a des tueurs au basque, alors elle vaut pas cher sa liberté. Ça va, je la connais un peu, Stella. Mais j'en sais rien, elle a dû s'évaporer dans la nature. On disparaît pas comme ça. Attends, je vais pas lui demander des comptes. Je suis pas sa mère, je suis pas son Mac. Écoute, il faut absolument qu'on la retrouve. Je sais rien. Ben, vous allez me ramener à la maison. Il y a Richard Gere qui m'attend. Richard Gere? Pretty Woman, tu connais pas? Merci bien. Bonsoir, chérie. Ah ben, dis donc, t'as un ticket, on dirait. Quoi, t'es jalouse, toi? Vous ne vous souvenez pas que c'est Monsieur Grimaud qui a financé votre journal de campagne? Je n'ai pas suivi personnellement ce dossier. Moi, si. Dites-moi, Monsieur Vauban, qu'est-ce que Grimaud vous a réclamé en échange? Mais rien. Je croyais que vous ne saviez rien de ce dossier. C'est-à-dire... Grimaud est un ami. Il a fait ça pour me soutenir. Bel exemple d'abnégation. Faites-moi plaisir, monsieur Vauban. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Je ne vous permets pas. Oh, mais vous avez raison. Après tout, nous sommes deux honnêtes serviteurs de l'État. Je me trompe? Expliquez-moi seulement pourquoi 2 mois après votre élection... Monsieur Grimaud a obtenu la gestion du réseau câblé de votre ville. Il y a eu un appel d'offres? Non, monsieur. Il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Mais peut-être que vous n'avez pas suivi personnellement ce dossier. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Mademoiselle, s'il vous plaît. Bon. Nous reprendrons cet entretien plus tard. En attendant, je vais vous faire placer en garde à vue. Vous n'avez pas le droit. Heureusement, si. Qu'est-ce que vous voulez, Cordier? Moi, je ne veux rien, moi. C'est l'État qui réclame des comptes. Grimaud vous a embobiné. Il vous a invité dans des restaurants chics. Il vous a financé votre campagne électorale. Et maintenant, c'est vous qui allez payer l'addition. Parce que lui, Grimaud, il vous a déjà lâché. Et demain, ce seront ces journaux qui vous tailleront en pièces. Vous bluffez. Vous vous êtes déjà demandé d'où Grimaud tirait son argent? Un journaliste le savait, et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Vous ne faites pas le poids, Vauban.
Et moi, je vous donne une dernière chance de vous débarrasser de cet ami très encombrant. Je vais vous dire ce que je sais. Enfin. Mademoiselle, vous prenez note, s'il vous plaît. Bon. Je vous écoute. Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez convoqué, commissaire. Je crois que vous allez comprendre. Suivez-moi. C'est stupide. Les conditions d'attribution de ce marché étaient parfaitement claires. Ce n'est pas ce qu'affirme M. Vauban. Mais bon sang, expliquez-lui. M. Vauban a déjà dit ce qu'il savait. Il y a une entente secrète entre vous. Crétin. Pas très malin d'insulter un témoin. Oh, vous foutez-moi la paix, hein. Monsieur Grimaud, attention, pour l'instant je suis calme, mais ça peut changer rapidement. Commissaire. Pardon. Monsieur Grimaud, vous allez être mis en examen pour corruption active. Est-ce que vous avez une déclaration à faire? Vous verrez ça avec mes avocats. Monsieur Grimaud, que répondez-vous aux accusations de corruption? C'est une histoire absurde. Le juge Cordier s'acharne sur moi pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la justice. J'ai pris soin de moi pour la défaire. On parle d'un financement occulte de votre groupe. Oui, il paraît que c'est moi qui ai coulé le Titanic. Merci. Monsieur Grimaud, l'assassinat de Ginetti ne vous empêche pas de dormir? S'il vous plaît. Qui est cette fille? Myriam Cordier, la sœur du juge. Je veux tout savoir sur elle, tout. Oui, monsieur. Appelez-moi Mansart. Mais j'ai essayé toute la matinée, mais il n'est pas à son bureau. Je lui en voudrais de ça. T'aurais pas dû faire ça, Myriam. J'aurais dû le faire bien avant, tu veux dire. Elle a raison. Quelqu'un devait lui rabattre son café. Quand je pense qu'il va plonger pour une stupide histoire de corruption. Tout ce que je veux, c'est gagner du temps. Maintenant, je suis sûr que le parquet n'osera plus enterrer l'affaire. Et qu'est-ce que tu vas faire de ce temps? Oh, Myriam. Je veux coincer l'assassin de Ginetti autant que toi. Quand même, c'est difficile à croire qu'un homme d'affaires aussi connu soit complice d'un crime de sang. Bon, c'est assez souvent vu en Italie, hein. Mais en Italie, c'est différent. Il y a des gens qui touchent de l'argent pour tout. Mais quand un juge s'en mêle, il se fait tuer. T'inquiète pas pour moi, maman, on n'est pas à Palerme. Ils n'oseront pas me toucher. Je voudrais en être aussi sûr que toi. Ouais, moi aussi, oui. Il y a beaucoup d'argent sur le tapis, tu déranges la partie. Mon bon Jenny veille sur moi. Oui, bah tu ferais mieux de prendre une assurance, Liam. Mais tu ne restes pas pour les gâteaux? Ah non, désolé maman, mais j'ai mon dossier à boucler. Ciao. Ciao. C'est pas ça qu'il va le nourrir. Tu sais qu'il fait ça pour toi. Certo. Je sais, j'ai pas le compliment facile. Ah, mais il a pas besoin de ça. C'est pas vrai. Oh, merde. Enfoiré. Oh. Bienvenue à la maison. Je me suis jamais senti aussi bien. Ils ont parlé de ma morte, hein? Merci, merci, j'avais pas remarqué. Ils vous ont pris quelque chose? Non, rien. Enfin,
autant que je puisse en juger. Dis donc, mais ils étaient combien? Moi, j'en ai vu qu'un seul. Ah, hein, quel gâchis. De toute façon, j'aimais pas la décoration. Bon, Bruno, cette fois, c'est terminé. Hein. Tu laisses tomber cette affaire. Alors ça, il n'en est pas question, ça serait leur donner raison. C'est la technique de la mafia, ça. Au début, ils s'amusent un peu, la prochaine fois, ils vous tueront. Et j'ai qu'un fils. Ah, j'aimerais bien le garder. On va pas relancer maintenant. Regarde autour de toi. C'est comme si Grimaud avait signé ses aveux. Non, pas Grimaud. Lui, c'est un funambule. Ses amis sont des tueurs. Pour l'instant, c'est eux qui mènent la barque. Monsieur le juge. Qu'est-ce que vous faites là, Amélie? C'est Pauline qui m'a prévenu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ça arrive, je me suis coupé en brasant. Bon, alors, Qu'est-ce que tu décides? À ton avis. Bon, ok. Alors, je te colle une protection rapprochée. Non, ça, il n'en est pas question. Je te demande pas ton avis. Dumas. Ben oui. Vous ne lâchez pas, monsieur, d'une semelle. Bien, commissaire. Ouais, maintenant, où est-ce que tu vas coucher? Chez moi. Enfin, si vous voulez, monsieur le juge. C'est moi qui vais dormir sur le canapé. Ah non, je vous en prie, c'est moi. Il est complètement déglingué. Ouais, c'est vrai, il a pas l'air terrible. Mais le tapis a l'air très bien. J'aurais jamais dû vous faire venir ici. Oh, ne vous inquiétez pas, Amélie, j'adore le camping. Alors ça vous plaira parce que le chauffage est en panne. Formidable. Vous voulez pas que... Quoi? Je vous change votre pansement. Non, celui-ci me va très très bien. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. Monsieur le juge? Hein? Je voulais vous dire que... Nous en reparlerons demain, non? Vous avez raison. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Je vous rappellerai, c'est promis. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. Vous êtes en avance, monsieur Grimaud. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous le croyez vraiment? C'est juste une image. Vous permettez? Non, je ne préfère pas. Quelles sont vos véritables intentions, monsieur Cordier? Vous le savez très bien. Je veux découvrir pourquoi Adrien Ginetti a été assassiné. Et vous croyez toujours que je suis impliqué dans cette malheureuse affaire? Plus que jamais. Vous allez avoir un problème. Non, je crois plutôt que c'est vous qui allez avoir un gros problème. Vous avez une sœur, Myriam Cordier. Une journaliste plutôt impertinente. Cela n'a strictement rien à voir avec notre affaire. Oh, si. Cela a tout à voir. Myriam Cordier était la maîtresse d'Adrien Ginetti. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai un dossier rempli de témoignages. Vous savez ce que cela veut dire? Vous allez être dessaisi, Cordier. C'est dommage. Je commençais à m'habituer à votre compagnie. Grimaud. Même avec un autre juge, vous n'échapperez pas à la prison. Vous le croyez vraiment? Mire, mire, mire.
Maintenant, est-ce que t'as été la maîtresse de Ginetti, oui ou non? Écoute, j'ai cette bande qui passe à l'antenne dans un quart d'heure, alors le courrier du cœur, on y répondra après, d'accord? Je suis sérieux, Myriam. Oui, j'ai eu une relation avec Ginetti, et ça n'a pas duré. Tu veux des détails? Pourquoi tu m'as rien dit, bon Dieu? Est-ce que cette histoire ne regardait que moi? Eh ben justement, non. Si un membre de ma famille est impliqué dans le dossier, cela me rend incompétent. Le parquet va me retirer l'affaire. Quoi? J'aurais voulu que tu vois la mine triomphante de Grimaud. Mais de toute manière, l'enquête continue, non? Oui. Mais Grimaud obtiendra aisément que je sois remplacé par un juge moins remuant. Et le temps que ce nouveau juge reprenne le dossier, Grimaud n'aura aucun mal à faire revenir Vauban sur ses aveux. Alors c'est foutu? J'en ai bien peur. Hé, hey, attends. Ce salaud, il va pas s'en tirer comme ça, quand même. Maintenant, il n'y a plus que son père qui puisse nous tirer de là. L'inspecteur Dumas est en mission à l'extérieur. Oui, oui, je sais, mais je vous en supplie, faites quelque chose. Il faut absolument que je le voie. Oui, mais je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va rentrer. Bon, alors, dites-lui que je suis passé, alors, Barret. Léa 2RET. Le mari de Sophie. Tu ne manquerais pas, monsieur Barret. Salut, copine. Alors, t'es comme ça, toi. On vient de voir, on t'interroge, tu joues les grandes muettes, et puis là, pan, l'illumination, madame veut causer. Hein. Oui, mais depuis l'autre jour, j'ai fait mon enquête. Oui, assise. Ailleurs. Et c'est le commissaire que je verrai, personne d'autre. Oui. Commissaire, excusez-moi, on veut vous parler, c'est important. Oui. Commissaire Cordier. Bonjour. Les Didi. Oui, bon, d'accord. Ensuite? Non, ça va, je plaisante. Je sais où elle est, Stella. Les chez Angelo, rue des Merisiers. Ben, je connais, c'est dans le quartier Nord, ça. Ouais. Et qui d'autre le sait? Attendez, commissaire, je vais pas vous apprendre votre métier. Si moi je suis au courant, les enfoirés, ils sont au courant aussi, hein. Bon, ça importe, allez, rassemblons tout le monde, allez. Qu'est-ce que c'est? Viens, toi. Moi, où est la fille? Pardon? Non, t'es sourd ou quoi? Je demande où est Stella. Elle est partie. Comment? Ils l'ont embarquée. Merde! C'est toi qui l'as balancée? Je te parle! J'avais pas le choix. Il avait pas le choix, ouais. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Qui c'est ce type? Je crois que c'est les amis des Fretons. Fretons? Un avocat d'affaires. Tu vois le genre d'affaires? C'est un client de Stella. Il offrait du beau temps au lieu d'offrir des cigares. Et tu sais où ils l'ont emmené? Je sais pas. Ils ont pris la disquette? Oui. Bon, allez, viens. On n'a plus rien à faire ici. Allez, viens. Hein? J'aimerais pas être à ta place. T'es arrivé trop tard. Oh merde. Ils l'ont torturé? Ouais, ça l'autopsie nous le dira. Et ils voulaient la disquette. C'est bon. Et ils l'ont eu. C'est pas si Grimaud a gagné. Non, parce que maintenant on sait qu'un certain Fretton a commandité le meurtre. Oui, bah t'expliqueras tout ça à mon successeur. Quoi? Je viens d'être dessaisi officiellement de l'affaire. J'en ai marre de cette affaire, putain. En tout cas, tu peux te dire à Dumas d'arrêter de me suivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Chercher un moyen d'annoncer la nouvelle à Myriam.
Ça y est, on a les résultats des derniers sondages. Et Monsard ? À la baisse. Et rappelez-le. Enfin, on le soutient depuis le début. C'est minable. C'est pas ce que pensent 51% des électeurs. Si je vous dis que c'est minable, vous allez publier que c'est minable et les gens le croiront. Comme vous voudrez. Merci. On va entendre parler d'Hubert Grimaud. Monsieur, on a déposé ça pour vous, c'est urgent. Merci. Vous ferez passer tout le dossier à mon successeur. Oui, monsieur le juge. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous avez fait tout ce qui était possible. Oui, mais ça n'a servi à rien. Au moins, vous êtes fixé sur les pouvoirs du juge d'instruction, Amélie. Bureau du juge Cordier ? Oui, ne quittez pas. C'est votre sœur. Myriam ? Comment ? Bouge pas, j'arrive. Amélie, vous allez égarer la notification de dessaisie. Est-ce que vous pourriez me prêter... Merci, Amélie. Merci. Je viens de la recevoir. Stella a dû la poster juste avant qu'on la retrouve. Tu l'as regardée ? Je suis pas une grande spécialiste, mais je crois qu'il y a tous les mouvements de fond occultes de Grimaud. C'est génial. Ouais, je sais. De toute façon, t'es fini, petit juge. Garde ta salive pour ta déposition, petit père. Je crois que tu vas en avoir besoin. Qu'est-ce que vous faites là, Dumas ? J'allais pas vous laisser comme ça. Vous êtes toujours aussi tenace. Je prends ça pour un compliment ? Oui, vous pouvez. Allô, Centrale ? Bruno ! Je voudrais parler au commissaire Cordier, si tu veux. Ça va ? Ça va, c'est bon. J'arrive. Vous m'emmerdez, Fréton, j'ai assez d'ennuis comme ça, foutez-moi la paix. Oh, accélérez là, accélérez. Et désolé, monsieur Grimaud, mais nous ne pouvons vraiment plus rien faire pour vous. Oh, arrêtez vos conneries, vous pouvez pas me lâcher, pas maintenant. Ah, ben ça, c'est ce qu'on verra. Vous savez, la première fois que nous sommes rencontrés, nous étions convaincus que vous pouviez devenir un investissement rentable. Nous nous sommes trompés, vous êtes une affaire pourrie. Je n'avais pas besoin de votre argent. Eh, tout le monde allait vous lâcher. Nous avons sauvé la mise, vous n'avez pas su en profiter. Dommage. Qu'est-ce que vous faites ? Et je solde votre compte. Décidément, vous tirez plus vite que mon ombre. Des formations professionnelles. C'est terminé, Grimaud. Maintenant, vous allez nous suivre. Laissez-moi 10 minutes, je dois boucler la une. Oh, inutile de vous fatiguer, je peux déjà vous lire les gros titres. Vous pouvez publier ce que vous voulez. Vous allez finir en prison et pour longtemps. 10 minutes. J'ai pas l'intention de me dérober. Allez-y. Merci. Qu'est-ce que vous espériez, Grimaud ? Qu'ils allaient payer sans rien dire ? Que vous seriez plus fort que leur argent ? Je voulais sauver ma boîte à tout prix. Mais surtout, vous sauvez vous et votre belle réputation. Je vous la laisse, j'en ai plus besoin. Hey, Dumas, on se retrouve dans la boîte. Hein. Annie.
Vous trouverez le texte de mon article sur mon bureau, je le veux demain en première page. Bien sûr, monsieur. Après tout, nos lecteurs ont le droit à la vérité. Ne vous inquiétez pas, je serai bientôt sorti. Ah, avec tout ça, j'ai oublié de vous dire, je voulais encore une fière chandelle. Hein. Sans vous, Bruno est passé, Grémaud aussi. Vous savez, je commence à me plaire dans votre service, moi. Ben, tant mieux, parce que la journée n'est pas encore finie. Ah non, pas elle. Ben oui, moi aussi, au début, je voulais pas être flic. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est au sujet de mon mari. Vous a encore frappé ? Non, c'est pas ça. Il s'est barré, en fait. Comment ça ? Bah, moi, j'ai suivi vos conseils. Vous m'avez dit d'aller prendre des cours de karaté. J'y suis allée et j'ai rencontré un prof, d'ailleurs très, très mignon. Enfin, bref, j'ai demandé à cette personne d'aller casser la gueule à mon mari, ce qu'il a fait. Mais c'est ce que vous vouliez, non ? Bah oui, c'est ce que je voulais. Simplement, je voulais pas que mon Jules se barre. Asseyez-vous, là. Je vous présente l'inspecteur Portal. C'est un spécialiste des affaires conjugales. Une lame. Allez, chier. Tu vois pas que j'ai du taf, non ? Il a l'air modeste comme ça, hein ? Mais en fait, c'est un as de la PJ, ce mec-là. Très bien. Bonjour, je m'appelle Sophie Barré. Oui, bah qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle ? Voilà, je vais tout vous expliquer. Mon mari s'appelle François Barré. Alors, comme j'expliquais à votre collègue, là, le commissaire Dumas... Inspecteur. Voilà, l'inspecteur Dumas. Mon mari, un soir, est rentré un petit peu éméché à la maison, en fait, et il m'a frappé. Mais attendez. Faut-on servir d'intermédiaire auprès des investisseurs de la mafia ? Ils jouaient le chevalier blanc auprès des entreprises lâchées par leurs banques. Ils leur prêtaient de l'argent sale et se remboursaient sur leurs biens mobiliers. C'est pour ça qu'ils avaient approché Grimaud pour s'en servir comme d'une simple lessiveuse. Non, cette fois, je crois qu'ils avaient plus d'ambition que ça. Ils voulaient s'offrir un groupe de presse. Une chance que la notification de dessaisie vous soit parvenue en retard. Une chance extraordinaire, monsieur le procureur. Voulez-vous venir dîner chez moi ? J'ai invité quelques amis, des spécialistes du droit pénal et... Je suis désolé de rater ça, mais comme vous le savez, je dois terminer mon rapport d'instruction. Bien sûr. Eh bien, bonsoir, monsieur le juge. Monsieur le procureur. Et soyez prudent. Merci. Hein? Pourtant, il paraît qu'on fout rien dans la fonction publique. C'est pas la peine, j'ai commandé pour toi. Calu. Il publie ses aveux. Quel panache. Ouais, mais on n'exagère pas. N'oublie pas que ce type a du sang sur la main. Je sais bien, j'espère qu'il va plonger pour la mort de Ginetti, mais c'est pas gagné. Le procès va durer longtemps, les avocats vont parader, les experts se contredire et Grimaud va jouer les victimes. Qu'est-ce qu'il en sortira au bout du compte ? Non, je croyais qu'on était venu ici pour oublier un peu tout ça. Ah oui, c'est vrai. On peut pas dîner avec ce Grimaud, hein. Non, en tout cas, celui-là, il n'est pas prêt de revenir dîner en ville. Non, mon petit père, non, ça c'est un blues. Hein. Faut jouer les accords à fond, là. Là, comme ça, bien au fond du temps. Prochaine fois que tu me plombes ce morceau, je te fous, il y en a vu. Ah, vas-y. Tu joues les flics, mais finalement, t'as l'âme d'un justicier. Attention, il y a trois choses dans la vie avec lesquelles faut jamais déconner. La liberté, la justice et... Duke Ellington.